15 septembre 1840. Allons, pressons-nous. Les voyageurs sur le pont. Envoyez les barriques. Attention au câble, là. Tenez-vous, ça va lâcher. Ne faites pas passer votre ligne, là. Le bateau part à 6 heures. Mon carton, chapeau, mon carton. Faites donc attention. Ne nous énervons pas. Allez, par ici, les enfants, par ici. On s'arrête à Corbeil. Pour aller au Havre, en face, madame. Ici, c'est la ville de Montreux. Nous allons à Nogent-sur-Seine. Oh, zut. Attention au départ, mesdames et messieurs. Attention. Allez, en arrière, les enfants. Allons, allons. Ah, ça y est. On est parti. Allez, allez. Oh, pas, je ne vois rien. Prends-moi sur tes épaules. Oh, iste. Tiens, tiens. Tu les vois maintenant, les tours de Notre-Dame, hein? Les rosaces, les statues. On dirait qu'elles dansent. Ce paysage est admirable. Moi, je ne m'en lasse pas. Pourtant, je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. L'île Saint-Louis, la cité, les quais. Ah, c'est merveilleux. N'est-ce pas, monsieur? Certes. Aller de Paris à Nogent, je n'ai jamais pu considérer ça comme un voyage. C'est tout au plus une excursion. Une charmante excursion. Ah, vous aussi, vous êtes de mon avis. J'ai déjà pris ce bateau quelques fois. Je suis de Nogent-sur-Seine, où j'habite avec ma mère. Mais j'ai un oncle au Havre, alors... Oui, alors, Nogent-sur-Seine, le Havre, Nogent-sur-Seine. Mais à votre âge, ce qui vous intéresserait, j'en suis sûr, ce serait de vous arrêter à Paris, non? Hein? Ah, Paris, Paris. Dans 2 mois, j'y serai. Les études? Le droit, oui. Le droit. Magistrat? Avocat, peut-être. Eh bien, un peu de talent et beaucoup d'ambition, c'est tout ce qu'il faut pour réussir à Paris. Ayez de l'ambition, jeune homme. Moi qui vous parle... Permettez, messieurs, j'ai un collègue là-bas qui m'a mis un petit vin blanc. Frère. Ah bon, passez, passez, mon brave. Ne le laissez pas tiédir. Voilà. Et à votre santé. Merci, amiral. Ce petit peuple de Paris. Il se fait une fête de tout et de rien. J'ai l'habitude. Avant 1 heure, ils auront tiré de leur panier les bouteilles, les charcuteries et le reste. Oh, moi, j'aime les gens qui vivent. Un cigare? Non, non. Allez, sans façon. Non, non, merci, vraiment. Ah, vous avez tort. Il faut commencer jeune si l'on veut s'y connaître en tabac. Et puis, il y a autant d'espèces de tabac que d'espèces de femmes. Hein? Ce n'est pas peu dire. Ah, ces 2 mois vont vous paraître longs. Vous l'avez deviné. Eh oui, je comprends qu'à 20 ans, on soit impatient de Paris. Ah, le monde...